Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. On connaît bien les styles de jeu à la japonaise comme les RPG et les jeux de baston, mais il y a un autre type de jeu qui caractérise le style japonais. Il s'agit du puzzle game. Et un des premiers puzzle games à la japonaise est Dr. Mario. Il met en scène la mascotte de Nintendo grimée en docteur, accompagnée de la princesse Peach déguisée en infirmière, Nurse Peach. On trouve aussi dans ce jeu trois nouveaux persos. Il s'agit des virus. Ils n'ont pas de nom. Alors on les appelle communément bleu, rouge et jaune, ou encore chill, fever et weird. Mais il n'y a pas vraiment de position officielle là-dessus. Mais revenons au jeu en lui-même, le but étant d'éradiquer les virus se trouvant dans une fiole. Il faudra placer habilement des gélules bicolores pour les détruire. Il en existe de trois couleurs différentes, comme les virus. On peut voir les virus nous narguer en dansant en bas à gauche de l'écran, mais une fois que l'on a éradiqué une couleur, son avatar disparaît de la loupe. Le jeu annonce 20 stages, mais en réalité, il y en a 24, et dans chacun des stages, il y a un nombre de virus différent. Il est évident que le nombre de virus dépend du stage. En fait, il suffit de multiplier le chiffre du stage par 4 pour obtenir le nombre de virus qui y sera affecté. La bouteille dans laquelle se déroule une partie ayant 16 blocs de long sur 8 de large, il y a donc 128 blocs disponibles. Quand on arrive au 20e stage, il y a alors 80 blocs pris par des virus, ce qui en laisse seulement 48 de libre. Au-delà du stage 20, il y aura toujours 84 virus et la difficulté n'augmentera plus, et il sera possible d'enchaîner les stages sans limite. Pourtant, il y a quelques instants, je vous disais qu'il n'y avait que 24 stages. C'est tout simplement parce qu'il faudra dépasser le 24e stage pour avoir la fin du jeu. Dr. Mario voit aussi apparaître un système de versus. Et il posera aussi les bases de ce que deviendra le futur Puyo Puyo. Bien que moins facile à élaborer et à placer, les réactions en chaîne sont bien là. Si plus de deux lignes ou deux colonnes sont détruites, des gélules malus tomberont dans le camp adverse. Bien évidemment, il existe plusieurs éditions de Dr. Mario, à commencer par la version Game Boy qui est sortie en même temps que la version NES. On remarquera que la fiole de cette version est un peu plus petite, car elle fait 15 blocs sur 8. Les couleurs ont logiquement disparu, laissant cette fois des virus blancs, gris et noirs. Il existe également une version de Dr. Mario améliorée musicalement et graphiquement sur Super Nintendo. Il était couplé alors à Tetris, cette version est d'ailleurs BS Dr. Mario, la version Satellaview. Il faudra attendre la version Nintendo 64 pour voir arriver de réelles nouveautés, comme le mode histoire et le mode jouable à 4 en même temps. C'est d'ailleurs cet épisode qui est repris dans Nintendo Puzzle Collection sur GameCube. On y retrouve à nouveau le mode Flash ou encore le mode Survie. Dans le mode Flash, il faudra détruire des virus déterminés, alors que dans le mode Survie, il faudra aller très vite pour détruire les virus car il en arrive de nouveau par le bas. On retrouve une version retravaillée de Dr. Mario dans Dr. Mario et Puzzle League, où il est cette fois couplé avec Panel des Ponts, connu chez nous sous le nom de Puzzle League. Encore une fois, un soin particulier a été apporté au graphisme et à la musique, mais le gameplay reste par contre inchangé. Mais le Dr. Mario a su s'immiscer dans bien d'autres jeux, à commencer par Super Smash Bros. Melee, où il devient un personnage jouable. Il se joue à la manière de Mario, mais jette des gélules à la place des boules de feu. Même s'il n'a pas de stage approprié, il a un thème musical, une reprise orchestrale de Fever. On retrouve aussi une référence plutôt bien dissimulée dans Paper Mario. Quand Mario sauve la baleine, celle-ci le remercie et pense qu'il faudrait l'appeler Dr. Mario. Ensuite, on se souvient tous de WarioWare qui avait créé la surprise sur Game Boy Advance en proposant pour la première fois le concept des micro-games. On y retrouvait une épreuve avec Dr. Mario où il fallait empiler des gélules au bon moment. Mais ce n'est pas tout, car on peut aussi y trouver la version intégrale de Dr. Mario, enfin Dr. Wario. Les différences sont minimes entre les deux jeux, et pourtant, la musique devient moins dynamique et les virus ont l'air un peu plus abrutis. Il y a aussi un clin d'œil beaucoup plus discret dans Mario et Luigi Superstar Saga sur Game Boy Advance. Lorsque les deux frères entrent dans la Hahademy, ils croisent des monstres qui sont en fait des virus de Dr. Mario. Chacun ayant des aptitudes qui lui sont propres, il suffit par contre d'en tuer un d'une couleur pour que les autres de la même couleur soient détruits. Sa dernière apparition connue a été localisée dans le jeu de mon confrère, le Dr. Kawashima. En effet, dans le programme d'entraînement cérébral avancé du Dr. Kawashima, il y a un petit jeu qui se nomme le Bactéricide. C'est en fait une version ultra simplifiée de Dr. Mario. La musique est une reprise de Fever, une fièvre qui semble être guérie tellement elle manque de punch. Mais la carrière du Dr. Mario ne s'arrête pas là. Il va bientôt refaire parler de lui dans le futur WiiWare.
En effet, un nouvel épisode est prévu. Il s'agit de Dr. Mario et Virus Busters. Un jeu où on pourra même utiliser ses mis contre le Dr. Mario. Voilà pour cette petite piqûre de rappel. N'oubliez pas de jouer à une distance raisonnable de votre téléviseur et de faire une pause toutes les deux heures pour regarder nos lives.